With the sun having truly risen on the digital age, the 2000s would see great designs turn complex technology into a phenomenon that everyone could use. Les années 2000, c'est un nouveau millénaire. Et c'est, je pense, pour simplifier, c'est le moment des bilans. C'est la décennie des synthèses. C'est la décennie où, en termes de design, on se rend compte qu'il y a encore de plus en plus de nouveautés. C'est aussi l'influence énorme que va avoir technologiquement, mais aussi en design, Apple. What you get at the 2000, you get the iPod, which didn't just change the way we listen to music, it actually changed the way we think. Apple qui va imposer vraiment une esthétique pure d'objets sensuels, objets instinctifs, tout de, voilà, ils vont dans cette direction-là, plus rien ne doit être compliqué, la simplification, l'objet doit faire partie de nous et doit s'intégrer à notre quotidien. I believe in future behavioral psychologists will begin to understand that the way that, the programming of the iPod works has actually began to alter the architecture of the brain. Dans les années 2000, les architectes aussi vont être sous les feux des projecteurs, bien sûr guéris. On va parler énormément, notamment du musée de Bilbao. I've always believed that great architecture can have a transformative effect on cities, and then to an extent, the Guggenheim proves it, but it's also, a slightly ridiculous building. It also has a damaging effect on the younger generation of students who now just, they don't want to design buildings which are useful and practical. They all want to design Guggenheims. I greatly enjoy the extraordinary experimentation. It's that London, particularly the city of London, the financial is literally one of the world's hotspots. It is a very high temperature laboratory for new stuff, and every new absurd shape raises the stakes, and ups the ante, for what's to follow it. That can be understood at one level and admired at one level. I like these new buildings; they betray, vitality and confidence. That's a very good thing. But they're not that; they're banal as architecture. The puerile nursery vocabulary we use to describe these buildings: the gherkin, the walkie-talkie, the shard. It just that reveals the poverty of thought. These are very, very, very big buildings representing very sort of banal ideas. Dans cette situation de design complètement global, je pense qu'il est important pour les marques importantes, de retrouver leur singularité et parfois une identité propre à elles-mêmes et propre à leur pays d'origine. En France, en ce qui concerne le design, en France, on n'a pas d'inquiétude normalement. On est le pays du luxe. Enfin, les plus belles marques de luxe à travers le monde sont des marques françaises, Dior, Chanel, Louis Vuitton, etc. Donc, on a des très très belles voitures depuis toujours. Enfin, on nous a toujours envié nos. Enfin, on a toujours voulu. Enfin, les plus belles voitures françaises sont des voitures qu'on a encore envie de collectionner aujourd'hui et qu'on a envie encore d'avoir. So, just as fashion, technology and architecture style became globalized, Renault's designers made sure their most luxurious car was unmistakably French. Alors avec la Velsatis, Renault veut se différencier de ce qui se fait ailleurs dans le haut de gamme et notamment de ce qui se fait en Allemagne et veut tracer sa propre voie. What Le Cayman was saying with his Velsatis was right. You've been used to certain assumptions about what a car in this category might be. We